en marge du Forum pharmaceutique international, parce que moi j'étais à Dakar, en ma qualité de président de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée, j'y étais invité. Je suis logé, j'étais logé donc à l'hôtel Méridien, comme le président Sélou. Je prenais mon déjeuner avec lui. J'ai passé toute ma soirée avec lui. Il est en mission du parti. Les gens sont en train de confondre. Il a Sélou à Fodonsou. Celui qui est arrivé hier, c'est Fodonsou. Et Fodonsou n'est pas venu en Katimou. Air Sénégal a eu du retard. Je suis arrivé ici en novembre. Mais je voudrais informer les uns et les autres pour qu'on comprenne que Ella Sélou est à mission du parti. Et que c'est le parti, l'UFDG, le conseil politique, qui décidera de l'arrivée de Ella Sélou à Guinée. Le conseil politique qui décidera. Ce qu'il est en train de faire va dans le sens d'aider non seulement le parti dans tous les domaines, mais la reconnaissance internationale du parti. Et c'est ce que nous devons demander à la CEDU, et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il a la mission du parti, il n'est pas là-bas pour se reposer, que les gens qui se défendent. Et la CEDU n'est pas rentré hier, celui qui est rentré hier, c'est votre Rousseau. Il est là-bas, à mission du parti, il a d'autres déplacements à faire à travers certains pays africains, et puis il est fait là. Il rentrera et tout le monde sera informé le jour de l'entrée de la Sélou. Et la Sélou ne veut pas rentrer en Katimou. C'est un président du parti qui a récolté 47% et qui a été primé au premier tour. Voilà la vérité. D'accord, ok.